Team. Hey, dans 4 minutes, pas mon plastique, t'as d'arrosé. Boxes. There's Clark Natwick, team manager for United States Cycling, and waiting for his Aspires riders to head over to the start line. The start area is right in the lens right now and won't be used other than for the start. They close off the road right here after they come by. Le championnat du monde, catégorie élite. Attention, dans 15 secondes, il sera 13h48. Le numéro 70, Camille Auspour. Le 71, 71, Pavel Prochek. Après l'équipe de France, l'équipe de Grande-Bretagne avec le 36 Roger Mon, le 37 Matthew McGee, le 38 James Taylor, le 39 Richard Hanaway et le 40 Brian Curtis. Et nous appelons la Pologne, we call Poland on the line, le 62-62 Marek Kalinski. Le 63-63, Piotr Wismik. Le 64-64, Pavel Kempikowski. Le 65-65, Kamil Wolski. Et le 66, avec le 51, Michi Suzuki. Et nous avons l'Angliste, Österreich, en étape pété, Austrian Line, le numéro 7, so there's the front row. And our guys are back. And we're back. Charlie Pré du chronomètreur, qui va nous donner donc le décompte. Daniel Mann, membre du comité directeur de l'Union cycliste internationale et président de la Fédération française de cyclisme, Monsieur Daniel Mann, Monsieur Clément Cortaroli, vice-président de la Fédération française de cyclisme, et Monsieur Jean-Pierre Barr, député maire de Montreuil, une équipe d'accueil pour Alain Moulin, Alain Fulson. Voilà, on peut très exactement le nombre de partants dans ce premier championnat du monde. Donc, catégorie des 83 ans, catégorie des espoirs, 60 coureurs, sur la valeur de la partie qui va gagner. Abbiamo la partenza 72 con i loro, la partenza di 17 nazioni, 72 Partnerstaat aus 17 Nationen. The start will be given by Mr. Daniel Mal, President of the French Cycling Federation. So we're just about to get underway for the Aspires category. There's a really big crowd here today. I didn't really expect there to be this many people based on last year's Aspires race the day before the open event. But so the Aspires race just got underway and I'm purposely going the reverse of the crowd to give a better sense. This is the finish line. Alles nog bijzamen.
25 meters up ahead there. Finish line. Il y a également Blinac qui avait été champion du monde junior en 1995, le Suisse Patrick Blom ou encore Rasmuer. Et on y ajoute le nom des Français, donc Miguel Martinez et Laurent Lefebvre, les deux premiers du championnat de France, catégorie espoir. Pour l'instant, eh bien, course donc championnat du monde très ouvert, très équilibré. Still leads now the UR. On a pu remarquer également en bonne position, eh bien, Gomer constatait que Osbuer était celui qui lançait ce championnat du monde espoir. Voilà, le départ a été donné depuis un petit peu plus de 5 minutes, près de 6 minutes d'ailleurs. Au top, il y aura 6 minutes que le départ a été donné. Nous rappelons que le circuit développe un petit peu plus de 3 km et que dans ce championnat du monde catégorie espoir, donc pour les moins de 23 ans, eh bien la durée de l'épreuve se situe vers les 50 minutes. Voilà, passage dans un instant sur notre ligne d'arrivée. Nous aurons ainsi le temps du premier tour. Vous le constatez, nous le disions tout à l'heure à l'appel, un circuit où chaque coureur, où chacun des favoris a ses chances, et voilà, c'est sous la conduite. Position, le premier tour a été couvert en 6 minutes et 48 secondes, 6:48 pour le premier tour, et on le constate, donc élimination par l'arrière, c'est-à-dire que de ce peloton qui était fort de 72 coureurs sur la ligne de départ, ils ne sont plus dans le groupe de tête, et bien dans une vingtaine d'ensemble, et c'est Dario Cioni. Czech Republic, second 44, Joni, Italy, 65, Wolski, Poland, 88, Heune, Switzerland, 85, Blum, Switzerland, and 86, Patrick Blum, Switzerland, and Auspur, Czech Republic, number 36. Tout le monde va dire. Voilà, on peut remarquer donc après ce premier tour, alors que Roger Mikocek de Hollande, Roger Hamon donc actuellement au commandement, alors que l'Italien Dario Cioni a un petit peu rétrogradé, violente accélération donc de Roger Hamon actuellement en tête. Derrière, eh bien, nous avons une belle présence également de l'équipe suisse. Il est vrai qu'au terme du premier tour, rappelons que le coureur suisse Blum s'était distingué au championnat d'Europe espoir, Patrick Blum, où il avait terminé à la 4e place. In the lead now number 36, representing Great Britain, Roger Hammond. Attualmente al comando il britannico Roger Hammond. Jetzt die Führung im geschlossenen Feld, Nummer 36, Roger Hammond. Voilà, toujours Roger Hammond avec Christian Hull, donc en deuxième position actuellement. Derrière, eh bien, nous retrouvons donc toute l'équipe nationale de la République tchèque. Il est vrai que cette formation a fière allure avec Kamil Osbuer, l'ancien champion du monde junior, mais également Zdeněk Mlynář, qui avait été champion du monde junior en 1995, ou encore Pavel Frozek, qui avait pris la chance d'imposer sa course. Mais pour l'instant, on peut le constater, eh bien, les favoris restent ensemble sous la conduite des coureurs suisses. Hamon en deuxième position et juste derrière les représentants. On peut remarquer Osbuer, donc l'ancien champion du monde junior, le coureur de la République tchèque, à la hauteur de Roger Hamon. On les retrouve en bonne position, première et deuxième position. À noter parmi les premiers, Laurent Lefebvre, le coureur de l'équipe de France, qui est actuellement en 4 ou 5e position, que l'on retrouve là avec son casque vert à la 5e place, donc derrière. Voilà, donc toujours le coureur hollandais, Nyland, donc au commandement. On aperçoit également plein écran, donc Guillaume Benoît de l'équipe de France, qui se trouve à la hauteur de Dario Cioni, le coureur italien qui avait pris un excellent départ tout à l'heure, puisqu'il était en deuxième position derrière Roger Hamon. On le voit encore beaucoup, beaucoup de monde pour aller chercher la victoire dans ce championnat du monde catégorie espoir. Et très gros travail toujours à l'actif de Nyland, le coureur hollandais. Circuit de l'an 70, Augsbourg,
Polen, Repubblica Ceca e nel 73 Mlinar. Spitze 58, der Holländer Nederland, verfolgt von Nummer 70 Auspur, Tschechische Republik und Nummer 73 Mlinar. Et nous avons derrière lui, il y a son partenaire d'équipe, Osbuer. Voilà les deux camps de la République tchèque. Donc aux deux premières places, Vaction Suisse, côté France également. Belle présence donc de Christophe Morel et Miguel Martinez qui vient maintenant en deuxième position. Miguel Martinez qui a connu le podium dans le championnat du monde dans la catégorie des juniors puisqu'il a terminé troisième. Une autre fois, il fut quatrième. Et le champion de France catégorie espoir est venu se placer donc à la hauteur de Rochamon le coup. Voilà, Dario Cironi qui a repris la tête, donc le coureur italien que nous retrouvions là en première ligne. Ah, c'est vraiment dommage cette chute de Laurent Lefebvre, vice-champion du monde sur route dans la catégorie des juniors, vice-champion de France de cyclocross, catégorie espoir, qui se trouvait aux premières places du peloton, qui a été retardé donc sur cette chute, alors que nous retrouvons actuellement Dario Cironi, le coureur italien en tête au passage des planches, vélo sur l'épaule. Voilà, on retrouve maintenant la tête de course avec les coureurs suisses qui viennent se replacer au commandement. Hammond, le britannique, est en bonne position. Osboer est là, Miguel Martinez est là également, et avec Martinez nous avons Christophe Morel, deux coureurs de l'équipe de France parmi les cinq premiers actuellement donc dans ce championnat du monde catégorie espoir, qui a donné les trois coups de ces championnats du monde ici à Montreuil, puisque demain nous nous retrouverons bien évidemment avec les juniors demain matin 11h et l'épreuve élite. Die Rundezeit für die vierte Runde 6:42, Gesamtzeit 26 Minuten 55. And crossing the line as first, number 70, Kamil Auspur, Czech Republic. Second, number 86, representing Switzerland, Patrick Groom. Abbiamo al passaggio sulla linea in testa il ceco. Zosimovic, Czech Republic, 85, Bloom, Switzerland, and 29, Martinez, France. Nous avons donc Kamil Osbuer à la bonne place également, en bonne position, mais on remarque même Verden, le coureur de l'équipe de Belgique, qui était à la troisième place. Verden qui effectue un remarquable championnat. Voilà donc en tête actuellement Osbuer de la République tchèque, en deuxième position Blum de l'équipe de Suisse, troisième Verden de l'équipe de Belgique. Miguel Martinez est revenu en quatrième position. À la lutte est incertaine là dans ce championnat du monde. Belle course également de Guillaume Benoît, celui qui avait été vice-champion du monde chez les juniors l'année dernière. Eh bien, le coureur breton est actuellement en 7e ou 8e position. Voilà la situation, alors que nous attendons un nouveau passage sur notre ligne d'arrivée. We expect another crossing line.
actually in the lead, the rider from the Czech Republic, Auspur, followed by the Swiss rider, Verden. Dans troisième position, Verden. En quatrième position, Miguel Martinez, qui a abandonné donc son vélo guidon plat pour prendre un vélo plus traditionnel. Dans les 10 premiers, figure également Guillaume Benoît, mais toujours Blum de l'équipe nationale suisse, avec Auspur, les deux hommes avec une quinzaine de mètres d'avance. Restons donc les quatre premières places dans ce championnat du monde catégorie espoir. We have two riders in the lead, Auspur, Czech Republic, and the Swiss rider number 86, Patrick Blum. In the lead with about... Suisse-Elmich en cinquième position, Miguel Martinez, voilà pour l'instant les positions. Huitième, Guillaume Benoît, neuvième, et Pavel Prozek, dixième, alors qu'il y a toujours ce bras de fer entre les deux hommes de tête et le groupe Miguel Martinez. D'autant plus que nous sommes dans la partie finale de ce championnat du monde. Voilà Auspur, ancien champion du monde, junior avec Blum, le Suisse en deux têtes, et réussit à augmenter leur avance. Miguel Martinez en troisième position, le Belge Verded à la quatrième place, et Christophe Morel en sept, maintenant d'une bonne trentaine de mètres. Here we have two riders still leads from Czech Republic, Auspur, and representing Switzerland number 86, Patrick Blum. Voilà, Blum donc en tête avec Auspur en deuxième position, Miguel Martinez qui se dégage tout seul à la troisième place et qui est en train de se rapprocher. Rappresentante della Repubblica Ceca Auspur, lo svizzero Patrick Blum, il Camille Auspur Cecchia, del Schweizer Patrick Blum e del francese Montreuil 20 Martinez. Un tour 6 minutes et 45 secondes, ce qui donne la moyenne de 22,684. Donc lors des passages, Auspur en tête, Blum et Martinez à 6 secondes, Thaïlande, Morel, Suisse-Elmich, Bert Blum, Dario Cioni, Guillaume Benoît et Ben Verden. The sixth lap in 6 minutes 45, total time 40 minutes point 20. Crossing the line at first, number 70, Camille Auspur and Swiss rider Patrick Blum, together with the French rider number 29, Martinez. 6 seconds behind, number 58, Netherlands, number 33, Morel, France, 75. Et du monde, et Miguel Martinez, donc aux deux premières places, ça va très très vite, toujours Blum, que l'on a vu omniprésent, Miguel Martinez, qui a connu le podium sur les championnats du monde, junior, où il a terminé. Il est troisième et là dans le sillage du coureur suisse, la victoire va donc se jouer vraisemblablement entre les deux coureurs maintenant. Les autres semblent maintenus alors que Auspur était tout à l'heure en tête. Les voilà sur la partie goudronnée maintenant avec Blum qui emmène Miguel Martinez en deuxième position. Toujours Blum, le coureur suisse au commandement. Miguel Martinez à la deuxième place alors qu'on essaie de se rapprocher du côté des coureurs de l'équipe de la République tchèque. Beaucoup, beaucoup de monde. Blum termine en seconde position. Nous allons avoir le temps 46-57 à dernier tour. Véritablement déconcertant puisque nous avions Auspur qui a progressé. Nous avions vu là une course superbe de la part du Tchèque, mais Miguel Martinez a fait preuve de beaucoup de maîtrise dans ce dernier tour. Et évidemment, c'est la joie des milliers de spectateurs, la joie également du président de la Fédération française de cyclisme, monsieur Daniel Ball, qui est le premier à le féliciter. Les championnats du monde se déroulent en France et le premier titre attribué, eh bien, revient donc à un coureur français, Miguel Martinez. Et donc champion du monde de cyclocross, premier champion du monde catégorie espoir, donc pour les moins de 23 ans. Nous allons avoir
le classement officiel qui va s'afficher. Donc dans un court instant, il avait un dernier adversaire à battre, un adversaire qui n'était pas facile de dominer puisque Patrick Blum avait fait preuve de beaucoup de maîtrise. Mais on peut dire que Miguel Martinez a fait sans faute cet après-midi. On peut le dire, bien entendu, après coup, il ne s'est jamais affolé. À un moment, il était à une quinzaine de mètres des hommes de tête. C'est lui qui a pris ses responsabilités, qui a emmené la poursuite derrière les hommes de tête et qui finalement, donc, après avoir voilà Miguel Martinez, le sprint, Patrick Blum avait lancé le sprint en tête, tentant sa chance, se disant qu'après tout, c'était peut-être la solution pour battre Miguel Martinez. Mais on sait que Martinez était évidemment hyper motivé. Laurent Lefebvre qui le félicite, celui qui fut vice-champion du monde sur route. Miguel Martinez a connu évidemment des jours, bien malgré son jeune âge, des jours de joie énorme. Alors que voici le classement de ce championnat du monde, catégorie espoir premier, Miguel Martinez, France, 46 minutes 57 secondes, deuxième dans le même temps, Patrick Blum, Suisse, troisième, et ce sera le troisième coureur à rejoindre le podium, Zdeněk Mlynář de la République tchèque, celui qui était champion du monde junior en 1995, et Delphine. Die ersten vier dieser ersten Querfeldein-Weltmeisterschaften unter 23 Jahren. Die Siegerzeit 46,57, wie schon erwähnt. Sieger Miguel Martinez, Frankreich. Zweiter Patrick Blum, Schweiz. Vier Sekunden dahinter als Dritter Zdeněk Mlynář, Tschechische Republik. Und Vierter Richard Kuhorst, Holland. Les
les moins de 23 ans, donc 6 minutes. François et David de Rossa étaient donc deuxième à 17 secondes. David Dicky de la République tchèque était troisième dans le même temps. En espagnol, Lara Resta était quatrième. Gaël Moreau était en cinquième position. Donc deux coureurs de l'équipe de France parmi les cinq premiers à la sixième place. Nous avions Andrei Slak de la République tchèque. Voilà, nous retrouvons. Il faut rappeler tout à l'heure, nous donnions le palmarès de ces championnats du monde junior. Il faut rappeler que côté français, bien chez les juniors, il y a eu des coureurs français sur le podium. Go Phil! À prendre place sur le podium, c'était Emmanuel Magna en 1989 sur le circuit de Pontchâteau. Il terminait deuxième derrière Richard Freudenthal. Power bar, barge énergétique, Santini, les maillots officiels des championnats du monde, Beta. Go Phil! Go man, go! Boissons énergétiques, You, les nettoyeurs haute pression, Look, chaussures et pédales automatiques, Hutchinson, chambre hebdomadique, Tax, transmission pour cycle, sont les grands partenaires de ces championnats du monde. 1996 à Montreuil, nous revenons maintenant eh bien, vers les poursuivants donc, de Peter Mann. Grégory Le Palu est en deuxième position, alors que nous retrouvons Peter Roman, encouragé bien entendu par les nombreux Suisses qui se trouvent ce matin, comme je l'ai dit hier, sur le circuit de Montreuil. Alors que nous avons l'homme de tête qui passe devant nous, il reste maintenant donc deux tours à couvrir. Peter Roman est passé devant nous, il est bien parti pour rejoindre ses compatriotes dont nous donnions les noms tout à l'heure et qui furent champions du monde dans la catégorie des juniors. Voilà pour le passage de Peter Roman. Son avance était tout à l'heure de 48 secondes. Nous serons maintenant dévoisés la minute. Just comes to the line of 83, Roman Peters. Go Phil! Hammer! Voilà, merci le public qui est arrivé, on peut dire que les adversaires de Peter Roman de la tradition So our guy Phil in the junior category suffered a broken chain and is very close to being lapped by the Swiss junior here. And the Swiss kid has a commanding lead and it appears as though he's going to win the event easily. That's a Ukrainian rider that's lapped. I wonder if this Swiss kid's a blocking. Belle attaque donc de l'Espagnol, rétable depuis le départ du moindre fléchissement. 42 minutes de rêve et de méga cours. Les milliers de spectateurs Chamberlain, number 4, 7, 10, 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